Nous sommes bénis. Nous sommes comblés. Oui, en Jésus-Christ, Dieu nous a tout donné, nous sommes pardonnés, gloire à Dieu, nous sommes justifiés, gloire à Dieu, de tout m'a délivré, gloire à Dieu, notre Père est merveilleux. Avant de créer le monde, Dieu nous avait choisi pour être à lui par Christ, afin que nous soyons saints, nous sommes sanctifiés, gloire à Dieu, nous sommes sans défaut. Gloire à Dieu, aux yeux de notre Père, gloire à Dieu, notre Père est merveilleux. Quand nous avons cru en Christ, Dieu a mis sur nous sa marque personnelle, en nous donnant son esprit, j'ai tout ce qu'il me faut, gloire à Dieu, toutes les bonnes choses, gloire à Dieu, mon Père les garde pour moi, gloire à Dieu, notre Père est merveilleux, notre Père est merveilleux. Ta vie, Seigneur Jésus, elle coule en moi, ton serment, je n'ai qu'une chose à faire, c'est demeurer en toi, et ma joie, c'est de porter tes belles fleurs. Seigneur, et ma joie, c'est de porter ton fruit. Seigneur, ta vie, Seigneur Jésus, elle coule en moi, ton serment, je n'ai qu'une chose à faire, demeurer en toi. Tu es l'amour, j'ai l'amour, tu es la paix, j'ai la paix, tu es la joie, j'ai la joie, tu es patient, je suis patiente. Ta vie, Seigneur Jésus, elle coule en moi, ton serment, je n'ai qu'une chose à faire, demeurer en toi. Tu as vaincu Satan, moi aussi, car tu m'as donné ta victoire et l'autorité sur les démons, les puissances, tout ennemi. Tu ne pèches pas, je ne pèche pas. Tu es saint, je suis saint, tu n'es pas malade. Moi aussi, je ne suis pas malade. Ta vie, Seigneur Jésus, coule en moi, ton serment. Je n'ai qu'une chose à faire, demeurer en toi. Ta vie, Seigneur Jésus, elle coule en moi, ton serment. Je n'ai qu'une chose à faire, demeurer en toi, demeurer en toi, demeurer en toi. Ta vie, Seigneur Jésus, elle coule en moi,
ton serment. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est demeurer en toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le chant que vous venez de suivre, en fait, c'est les faits divins proclamés. Les faits divins que nous avons reçus à cause de l'œuvre achevée de Christ, à savoir sa crucifixion, sa résurrection et son élévation à la droite de Dieu. Voilà qui nous sommes, voilà ce que nous avons et voilà ce que nous pouvons en Christ. J'aimerais juste attirer ton attention sur le fait qu'il y a en fait un seul fruit de l'esprit. Et c'est de ce fruit-là que découlent tous les autres fruits de l'esprit. C'est l'amour. L'amour. L'amour, c'est le fruit de l'esprit. De lui découle la joie, la paix et tout le reste. Soyez richement bénis et continuez à proclamer ces faits divins. En les proclamant, nous entrons dans la manifestation, la révélation de ces faits divins que Christ a donné à l'Église. À la prochaine. Coucou les amis, soyez bénis. Shalom.